Salut, c'est Admin82Ion pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les légendaires avec 5 personnages. Donc, le fameux Danaël, fameux Griff, la fameuse Jadina, fameuse Chimie, et fameux Razia, le guerrier. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la collection. Donc, si vous voyez bien, ici, c'est le 1. Ça s'appelle la pierre de Jovenia. La pierre de Jovenia, après, c'est le gardien. Après, le 3, frère et ennemi. Regardez, je vais mettre un gros plan. Frère et ennemi, d'accord? Bon, alors, cette petite fille s'appelle Toupi. Lui, bon, je ne connais pas trop son nom, et lui aussi. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, je voulais présenter le 1 Origine qui parlait de Toupi et de Jadina. Donc, c'est l'histoire de Jadina quand elle avait 16 ans. Bon, voilà. Là, c'est Jadina. Là, sa tante. Là, c'est le professeur. C'est-à-dire, c'est le médecin de la famille royale. Elle, c'est la reine. Elle, vous verrez parce que elle est très secrète. Lui, c'est Casino, dont elle l'appelle Tire-Bouchon, comme il a du mal à se coiffer. Et là, c'est Baraka et Baraka. Non. Bakara et Baraka. Voilà. Alors. Vous voyez bien, ici, il y a le 1. Ici, il y a le 2. Je vous conseille de commencer par le 1. Je vous présente le 2 parce que le 1, je ne l'ai pas. Je demande à mon ami si je pourrais l'avoir. Bon, voilà. Des fameux guerriers. Je vais vous parler. Griff, Chimie, Danaël, Jadina et le grand guerrier Razia. Oui, le petit gros tout à l'heure. En fait, c'est lui, c'est le costaud ici. Alors voilà. Attendez, excusez-moi. Je mets une petite page pour attendre. Bon, en fait, celui-là, ça passe tout de l'enfance. Le début de Julie, ça passe tout de l'enfance de Jadina, quand elle était petite. Là, si vous voyez bien, il y a le roi Alain, c'est pareil. Il est là avec son père. Et là, c'est la reine, le roi et la princesse. Et professeur Vangélie. Voilà, Jadina, ici. Et prince Alain, là. Donc alors, je vous conseille vraiment de l'acheter parce qu'il est super bien long. Surtout, commencez par le 1. Alors, je vais vous raconter un peu le 1. C'est une petite image de vous. Alors, le 1, ça parle surtout de Danaël, de son histoire avec une fille qui s'appelait Sarin. Donc, voilà. Et après, excusez-moi. Alors, donc Danaël, si vous voyez bien, c'est lui. Là. Et voilà, je vous présente la couverture du 1. Alors, la fille que vous voyez en rousse, c'est Sarin. Là, c'est Jadina avec son truc qui cache le. Voilà. Là-bas, c'est le sorcier noir d'Arkel. Et là, c'est Danaël. D'accord? Donc, elle, c'est la tante de Jadina. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'arrive, je vais voir. Elle s'appelle. Ah oui. Invidia. D'accord. Lui, professeur Vangélie. Elle, la princesse. Non, pas Amidala, je confonds. Bon, je ne connais pas son nom. Casino. Bakara et Baraka et la fameuse Jadina. Donc alors
Aujourd'hui, je vais surtout parler du 1 parce que je vais vous expliquer un peu le sens du livre. En fait, ça parle d'un jeune garçon qui voudrait être chevalier d'argent comme son père et comme toute sa famille, en fait, depuis des générations. Donc, voilà, et était gardé par une dame parce que comme son père allait toujours à la guerre, lui il était gardé par une dame, c'est-à-dire voilà, plus avec une fille qui s'appelait Sarah. Et comme le père de Danaël était ami avec le père de Sarah, donc c'est pour ça qu'ils se voyaient toujours. Sauf que Sarah, elle aussi voulait devenir chevalier d'argent. Et voilà. Donc, si je m'en souviens bien, ils vont grandir. Une bagarre, ils vont être dans un café et ils vont commencer à se bagarrer. Danaël et un monsieur dans un café, comme d'habitude, vous voyez ce que je voulais dire. Donc, voilà, le père de Sarin arrive et prend le bras du monsieur et le tord. Donc, et puis, il arrive. Il dit à Sarin, oh Sarin, arrête de faire n'importe quoi, viens. Après, Sarin dit, non mais c'est bon, j'en ai assez, je suis plus un bébé pour voir. Donc voilà ce que je veux dire. Bon, en fait, c'est surtout l'histoire extraordinaire de Danaël parce que comme malheureusement Sarin va mourir. Et bah, Danaël va être très triste parce qu'en fait, c'est un Dark Lion qui a lâché ses piques. Et ses piques, dès qu'on en a, on devient une sorte d'ombre. Je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'était la partie 1 parce que sinon ça va bientôt faire 10 minutes et je préfère pas. C'est la partie 1 des légendaires. Et voilà, excusez-moi de ne pas continuer. Et à bientôt.